Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV pour un live exceptionnel. En ce lundi soir jusqu'à 18h30, nous sommes en direct de Lille, ici au Grand Palais pour le FIC, cette édition 2017 que vous pouvez suivre sur 01net TV aujourd'hui et demain. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et le FIC, rappelons-le à ceux qui auraient raté le début, c'est le forum international consacré à la cybercriminalité. 24 000 cyberattaques en 2016, des millions de nouveaux codes malicieux chaque jour, François. Autant dire que cette cybermenace est bien réelle et elle nous concerne tous. Alors ils sont tous là ici à Lille pour en parler, spécialistes de la sécurité informatique, gendarmes, policiers, il y a même des hackers. On va voir ça en détail aujourd'hui. Et oui, avec nos invités, on va tout d'abord revenir sur les histoires parfois incroyables qui se sont produites au cours de cette année écoulée. Notamment les ransomware, hein, c'est l'une des stars malheureuses de ce FIC 2017. On en parlera avec Laurent Hélot de Symantec et Gilbert Kallenborg de la rédaction de 01net qui sera avec nous sur ce plateau. Au sommaire également, comment sécuriser votre future voiture connectée? Car ah bah oui. Un jour ou l'autre, si ce n'est pas encore fait, vous aurez bien sûr une voiture connectée, hyper intelligente et autonome. Eh bien, vous verrez que c'est bien si on s'occupe d'ores et déjà d'éviter que les pirates ne s'en emparent. On en parlera avec un représentant de la société Thales, notamment. Et on parlera aussi d'un sujet qui nous concerne tous, Jérôme, c'est la sécurité de vos smartphones avec un acteur que vous avez peut-être oublié, mais qui est toujours là. Il s'agit de BlackBerry. BlackBerry revient en force avec une nouvelle solution. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes sur 01net TV et dans 01 Live, vous le savez, Delphine Sabatier de la rédaction de 01net vient régulièrement nous faire part de ses expériences. Alors là, elle a eu une expérience. Elle s'est régalée. Là. Hors du commun. Ah oui. Elle a fait un stage de cyberdéfense, Delphine. Donc elle va venir nous raconter tout ça. C'est pas violent la cyberdéfense, tout va bien. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Elle avait l'air en forme. Donc. Et puis une star du web viendra avec nous, nous rejoindra sur ce plateau. C'est un spécialiste de l'informatique et de la sécurité que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit du blogueur Corben. Il viendra nous parler du hacking avec toute l'expérience qui est la sienne depuis des années dans ce domaine. Il a d'ailleurs un site qui est très suivi. Il sera avec nous, Corben, tout à l'heure. Formidable, on sera très heureux de le recevoir sur le plateau de 01net TV. Ce sera une première, Corben sur 01net TV. Nos invités sont là. Ils sont à nos côtés. Tout d'abord, Laurent Hélot. Bonjour. Bonjour Jérôme. Directeur Bonjour. Des stratégies de sécurité de Symantec. Symantec, on ne présente plus, éditeur de solutions de sécurité informatique. Et puis, bien sûr, Jérôme Kallenborg. Bonjour. Bonjour. Gilbert, pardon. Ça va, Gilbert? Ça va bien. Journaliste à 01net.com. Gilbert qui, depuis ce matin, arpente les allées de ce salon. Je cours de droite à gauche, de conférence en conférence. Avec un plaisir non dissimulé, car toi, Absolument. Les virus et les hackers, tu raffoles. Ah oui, bien sûr. Ah, bah, c'est le paradis. Ici. C'est un peu son fonds de commerce. On va en parler d'ailleurs avec lui dans un instant. Mais peut-être, Jérôme, revenir sur l'une des grosses tendances de cette année 2016 qui s'est terminée. Et je pense que ce sera aussi comme ça en 2017. Ces fameux ransomware. Effectivement, Laurent Hélot, on a beaucoup parlé cette année de ces ransomware. Bon, alors rappelons ce que c'est qu'un ransomware. Un ransomware, c'est, alors en français, c'est rançongiciel. Voilà, il fallait le citer. C'est un peu moins joli. Bah, c'est français. Oui, voilà. C'est un logiciel malveillant dont le but est de chiffrer, de crypter les données qu'on va trouver sur l'ordinateur ou sur le réseau ou sur le serveur. D'individus, de particuliers comme vous et moi, ou bien entendu d'entreprises. Une fois que ceci est fait, le cybercriminel va demander une rançon pour que vous puissiez récupérer l'accès à vos données. Voilà le principe. Et donc il y a eu plusieurs affaires assez impressionnantes cette année. Il y a eu de nombreuses affaires. En fait, le ransomware, c'est quelque chose qui a commencé finalement il y a assez longtemps. Un des tout premiers, ça date des années 2005. Mais ce qui fait que le ransomware explose depuis 2014, 2015, 2016, et malheureusement, en 2017, c'est l'essor des crypto-monnaies qui fait que finalement... Le Bitcoin, pour ne pas dire son nom. Pas seulement, il y en a d'autres, mais qui rend le fameux follow the money, donc suivez l'argent, extrêmement difficile, parce que donc à cause de ces crypto-monnaies, il est très difficile de remonter la trace jusqu'au cybercriminel. Donc ça, c'est un des éléments qui fait partie du succès, si on peut dire, du ransomware. L'autre succès étant que, malheureusement, il y a pas mal de gens qui payent, même si, in fine, on sait qu'il y en a assez peu qui, finalement, récupèrent leurs données, même après avoir payé. Alors, il n'y a pas que des particuliers qui sont victimes de ransomware. Tout à fait, tout à fait. Il y a, par exemple, des
enfin des grandes, des grosses sociétés, des entreprises, même des hôpitaux, j'ai vu ça l'année dernière aux USA. Moi, j'allais dire l'inverse. Il n'y a pas que des grands comptes qui en sont victimes, il y a aussi des particuliers. Bref, tout le monde est concerné, en fait. Tout à fait, parce que, évidemment, en moyenne, la rançon, la demande de rançon pour un particulier, c'était cette année entre 1 ou 2 bitcoins, ça veut dire entre 300 et 600 euros en moyenne. C'est déjà pas mal. Au cours ancien du bitcoin. Voilà, en plus. Parce qu'il n'a cessé d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter. Ouais. Les demandes de rançon... Ça, c'était donc pour un particulier. Et voilà. On l'invitait à payer ça pour faire quoi? Parce qu'on lui avait bloqué son ordinateur, en fait. En fait, l'ordinateur n'est pas bloqué. Ce sont les données, les fichiers, tous vos fichiers qui sont chiffrés. Donc, si vous n'avez pas de sauvegarde de toutes les photos de famille que vous avez depuis des années, tout ce qu'on appelle les trésors numériques, qui n'ont finalement pas de valeur pour qui que ce soit d'autre, mais que pour vous. Donc, si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien, forcément, pour récupérer ces données, certains sont prêts à payer. Il faut fauter. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment précis, faire une bêtise et télécharger. Exactement. Un logiciel malveillant qui va tout crypter, c'est ça? Une grande majorité des attaques, en fait, viennent à travers la messagerie. Donc, à un moment donné, on a cliqué sur un lien ou on a cliqué sur une pièce jointe, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Souvent, il suffit de cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe. Oui. Il ne faut pas installer un logiciel. Non, ça se passe de manière totalement transparente, en arrière-plan. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours à la fois la partie vigilance, c'est-à-dire humaine. Cliquer sur un lien d'un individu, d'un émetteur que je ne connais pas, ce n'est pas une bonne idée. Mais il faut aussi un élément technique sur la machine, parce que comme il va se passer des choses en arrière-plan, si vous n'avez pas de protection sur l'outil, que ce soit un PC évidemment, mais bien entendu, pourquoi pas un téléphone ou un smartphone, et on en a vu sur des téléviseurs connectés, il va falloir forcément un outil pour détecter ces choses-là. Les Mac aussi sont victimes de ransomware ? À peu près tout ce qu'on a pu tester aujourd'hui est victime de ransomware. Oui. Donc Jérôme, fais attention. Bien sûr, mais... Gilbert Kallenborn, alors Gilbert, tu as suivi toute cette actualité tout au cours de l'année 2016. De ce que l'on sait aujourd'hui, ça va continuer en 2017. Quelles vont être, entre guillemets, les tendances en matière de cybercriminalité? Alors justement, j'étais à une conférence sur les tendances en matière de cybercriminalité au FIC. Et donc, c'est une image assez diverse, en fait, qui se dessine. Donc d'une part, effectivement, il y a ce côté ransomware, qui sont des malwares assez massifs qui sont utilisés de plus en plus par des petits cyberdélinquants, en fait, parce que c'est des outils qui sont de plus en plus faciles d'usage. Donc il y a de plus en plus d'attaques de ce genre-là. C'est-à-dire qu'un petit plaisantin qui n'a même pas des grosses notions d'informatique peut très facilement télécharger un kit pour pouvoir après envoyer des ransomware à droite à gauche, c'est ça? Du ransomware as a service. Exactement. Ça se développe également. D'accord. Comme tout ce qui est cybercrime se développe de la même manière. À partir du moment où il y a un business, oui. Exactement. Justement, en fait, avant, les malwares, c'était plutôt un peu l'apanage des geeks, des hackers. Oui. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'il y a la petite délinquance de rue qui, a priori, n'est pas particulièrement technophile, qui arrive en fait maintenant sur les ransomware parce que c'est facile, c'est rentable. Et ça peut rapporter gros. Ça rapporte gros et c'est pas risqué. Ouais. Donc ça, c'est un premier phénomène de masse, en fait. Ouais. Et le deuxième phénomène, c'est un peu la complexité. Donc les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à des attaques très très complexes, comme par exemple les attaques sur le réseau SWIFT, les attaques sur les réseaux bancaires. Donc vraiment, on a l'impression que les forces de l'ordre, ils ont beaucoup de travail à faire et c'est pas forcément très très facile parce que c'est aussi un phénomène qui est un petit peu caché parce qu'il y a pas beaucoup forcément de remontées d'informations. Le nombre de plaintes est finalement très faible par rapport au phénomène réel. Mm-hmm. Alors juste pour donner un chiffre, par exemple, la gendarmerie la semaine dernière avait parlé de 5000 plaintes par an, je crois. Mais au Royaume-Uni, ils ont fait un sondage pour savoir exactement mais combien y a-t-il de victimes réellement, et ils sont arrivés à un chiffre de 2 millions. Donc on n'est pas vraiment au même... Laurent Hello, il y a toujours ce problème des gens qui finalement sont victimes mais qui se cachent? De moins en moins, heureusement. C'est-à-dire que toute la sensibilisation qu'on a tous pu faire ici ces dernières années finit par payer. C'est-à-dire que on n'a plus l'impression que c'est uniquement virtuel, que ce n'arrive qu'aux autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire, etc., quand on est victime? Voilà, je suis victime d'un rançonneur qui me dit je dois payer. Que je sois un particulier ou une entreprise, qu'est-ce que je dois faire? C'est trop tard déjà. La première chose à dire, c'est ne pas payer. Oui, mais alors ça,
C'est facile à dire. Comment je récupère mes données alors ? Parce que vous avez fait un backup avant, parce que vous êtes quelqu'un de... Ouais, vous avez préparé, vous avez des trésors numériques, donc vous avez fait attention, donc vous avez sauvegardé, vous n'avez pas fait une copie sur un disque dur, potentiellement même dans le cloud, vous avez bien fait une sauvegarde, parce que la copie va être chiffrée de la même manière. C'est comme ça que ça procède dans les entreprises. Sauf dans le cloud, on est d'accord ? Non. Dans le cloud, à partir du moment où le cloud est vu comme un disque dur complémentaire, ce qui va être dessus va être chiffré de la même manière. Il va être chiffré aussi ? Oui. Et qu'est-ce que vous appelez la différence entre copie et sauvegarde ? Une sauvegarde, c'est lorsque vous avez un logiciel, quand vous achetez un disque dur externe. Un logiciel de sauvegarde. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, c'est déjà, c'est pas tout un certain nombre de fichiers, c'est un gros fichier qui est mis à jour. Petit à petit lorsque vous faites votre sauvegarde tous les jours, toutes les semaines, d'accord, en fonction des besoins. Il ne faut pas faire un copier-coller. Comme si vous avez un disque dur supplémentaire, et un disque dur supplémentaire qui sera chiffré. Et c'est comme ça, c'est là qu'on voit effectivement des demandes de rançon qui montent à des centaines de milliers d'euros, voire des millions, parce qu'il y a des gigas, des terras de données qui sont cryptées par le ransomware sur le disque, les disques des réseaux de l'entreprise. Parce que vous êtes en train de dire que si j'ai une, deux, même plusieurs copies, même si elles ne sont pas branchées simultanément, au moment où je vais la brancher, elles vont toutes se bloquer, c'est ça que vous dites ? Alors, si elles ne sont pas branchées et si vous êtes infecté entre-temps, effectivement, non, on peut considérer que vous avez une sauvegarde. Mais si elle est branchée à un instant T, vous avez un disque dur externe qui est branché, là, c'est pas bon. Il va être crypté aussi. Laurent, comment prévenir tout ça ? Est-ce qu'il y a des conseils ou peut-être des conseils de bon sens à donner à tous ceux qui nous regardent ? La première chose, c'est toujours la même. C'est vraiment de réfléchir avant de cliquer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est parce que c'est Internet, c'est un peu comme à l'époque, vous avez vu à la télé, donc c'est bon, on y va. Non, il faut se poser des questions. Est-ce que je connais l'émetteur ? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on m'écrit ? Etc., etc. Donc ça, c'est le premier filtre, c'est l'individu. Ensuite, il faut avoir effectivement des suites de sécurité. On ne parle plus d'antivirus parce que les virus, il n'y en a plus. Il faut être très honnête là-dessus. Il n'y a plus de virus. La notion de viralité... Non, vous savez quoi ? C'est pire. L'aspect épidémiologique n'existe plus. À l'époque, en 2000, on avait 5 virus par jour. En octobre de cette année, c'était 3 millions de nouveaux logiciels maliciels par jour. Incroyable. Donc, cette notion épidémiologique a totalement disparu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de suite de sécurité, parce qu'on empile les différentes couches. Et typiquement, maintenant, on a des outils qui spécifiquement détectent les outils qui ont tendance à vouloir chiffrer des informations. Et bien sûr, faire des sauvegardes. Mais ça, je pense que ça fait 40 ans qu'on le répète. C'est vrai. C'est vrai. Sauvegarder. Gilbert, une dernière petite tendance de ce alors parmi les autres tendances dont on a parlé aujourd'hui, il y a l'Internet des objets. Donc ça, on a vu les terribles attaques DDoS aux États-Unis. Donc ça, c'est des proies faciles en fait pour les cybercriminels. Une autre tendance qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on n'est pas vraiment dans ce milieu, c'est la fraude au clic. Alors apparemment, donc c'est des... Qu'est-ce que c'est ça, la fraude au clic, ça concerne surtout les sites web où il y a des annonces, des annonceurs donc qui publient des publicités. Et en réalité, donc derrière, vous avez en fait des réseaux qui font de la fraude au clic, donc qui gonflent en fait le nombre de clics. Qui gonflent les chiffres artificiellement. Voilà, on gonfle les chiffres artificiellement pour faire payer l'annonceur. Et c'est des millions de dollars qui sont ainsi générés, mais on n'en parle pas trop parce que... Ça ne concerne pas le grand public, ça, pour le coup. Ça concerne les entreprises, mais qui ne veulent pas forcément en faire la publicité, justement. Laurent Hello, merci beaucoup. Merci. Donc, vous représentez la société Symantec. Merci à Gilbert Kallenborn. Je vais avoir du mal. Qu'on peut retrouver sur zeronet.com avec un dossier complet sur le FIC et évidemment pas mal de news. Merci beaucoup. On revient dans un instant, Jérôme. Oui, vous restez avec nous. Nous allons parler tout à l'heure de cyberdéfense. Delphine Sabatier a fait un stage de cyberdéfense. Corben, le blogueur spécialiste de la sécurité informatique, sera avec nous. Mais juste avant, on va parler de voiture et comment protéger sa voiture connectée. Et son smartphone aussi. Ouais. Voilà, de retour depuis le Grand Palais à Lille pour un Zéro à l'Aïe spécial FIC 2017. Autrement dit, spécial cybercriminalité et cybersécurité. Heureusement, avec deux nouveaux invités, Stanislas de Montpoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique cybersécurité chez Thales. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec plaisir. On va parler de voitures connectées et de sécurité sur les voitures connectées dans un instant. Et puis, nous accueillons aussi Dagobert Lévy. Bonjour. Bonjour, messieurs.
Vous êtes donc le directeur général Europe du Sud de BlackBerry, une marque que les internautes connaissent bien. BlackBerry a beaucoup changé ces derniers temps, hein, passé des smartphones qu'on connaît avec ses claviers particuliers. Aujourd'hui, à du logiciel, du soft. Vous allez nous expliquer un petit peu cette mutation, pourquoi vous êtes ici et qu'est-ce que vous sécurisez en fait, hein. Oui, alors absolument. On y va maintenant. Allez, allez, c'est parti. Allons-y, c'est parti. Donc on y va. Donc BlackBerry se transforme très rapidement. Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que la mission de BlackBerry n'a pas changé. C'est-à-dire fournir le maximum de sécurité à nos utilisateurs. Donc dans le passé, effectivement, ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait nos couches de sécurisation sur nos propres terminaux. Oui, aujourd'hui, avec votre propre soft, en fait. Voilà, notre propre logiciel nos propres terminaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait la réputation de BlackBerry. Absolument, c'est ce qui a fait la réputation de BlackBerry. Et là, dans l'ADN de BlackBerry, on a ce côté sécurité qui est très important. Et aujourd'hui, on va l'étendre à l'ensemble des terminaux du marché. Donc ça peut être du terminaux Windows, iOS, Android. Donc on va apporter l'intelligence et les couches de sécurité qu'on avait précédemment développées sur ce type de terminaux. Donc je vais pouvoir BlackBerryiser n'importe quel... Oh, c'est joliment dit. N'importe quel smartphone, que ce soit un iPhone, un téléphone Android. Absolument. Donc en fait, ce qu'on va apporter, ça va être une séparation entre univers professionnel et univers personnel sur ces terminaux. Donc l'utilisateur va pouvoir continuer à utiliser son terminal de façon personnelle. Par contre, il va avoir accès à ses données d'entreprise de façon complètement sécurisée dans une bulle, on appelle ça un container, dans un container sécurisé. D'accord, donc vous adressez essentiellement aux particuliers, aux professionnels quand même. Absolument, donc nos clients sont les grands, des grandes entreprises qui se font face aujourd'hui et plus que jamais à des problèmes de sécurité importants, on en a parlé tout à l'heure, notamment sur les aspects mobilité. Ce qui faisait la réputation de BlackBerry également, c'était l'aspect sécurité vu du côté du DSI, c'est-à-dire vraiment la gestion de flotte, on pouvait intervenir à distance, bloquer des terminaux, récupérer des contenus, etc. Oui, donc ça, absolument, ça continue et puis ça s'amplifie, puisque aujourd'hui, on le faisait avant sur les terminaux BlackBerry, on le fait sur l'ensemble des terminaux du marché, et on va étendre ça. Tout à l'heure, on parlait d'une des menaces qui est sur l'Internet des objets, on va parler d'entreprise des objets, tous les objets qui sont amenés à se connecter dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est autant de risques potentiels pour l'entreprise, donc pour le DSI, il a besoin de les contrôler, donc notre plateforme va s'étendre sur le support de l'ensemble de ces objets. Elle est déjà en route, cette plateforme, ou c'est un... Oui, absolument, oui. D'accord. Mais typiquement, je prends un exemple, j'ai un iPhone, je vais installer donc un logiciel BlackBerry, j'imagine par l'App Store. Oui, une application par l'App Store, absolument. Mais ça ne va pas me sécuriser tout mon appareil, c'est-à-dire que, en revanche, tout ce qui passera par l'appli sera sécurisé par vos soins, c'est ça ? Alors vous allez pouvoir garder la possibilité de contrôler l'appareil, vous allez pouvoir garder la possibilité de contrôler votre iPhone, votre Android, mais si vous installez l'application, vous allez pouvoir séparer complètement la donnée professionnelle de la donnée personnelle. Donc c'est toujours deux univers. Donc, voilà, on va retrouver deux univers. Donc on va être dans une... À partir du moment où l'appli va être téléchargée par l'utilisateur et activée par l'entreprise, c'est très important, hein, c'est l'entreprise qui va contrôler cette bulle sécurisée. Mmh. À partir de ce moment-là, l'utilisateur sera libre de faire ce qu'il veut sur le terminal sans compromettre les données d'entreprise dans la bulle sécurisée. D'accord. Alors, le smartphone, bon, on est habitué hein, aux problématiques de sécurité. C'est un ordinateur, donc on connaît la musique. Mais la voiture, franchement, est-ce que demain, je vais devoir installer une suite de sécurité dans ma voiture ? Mais avant demain, dès aujourd'hui, parce que certes la voiture autonome n'est pas encore sur nos routes, mais la voiture connectée c'est déjà une réalité opérationnelle. Les voitures modernes embarquent déjà un certain nombre d'équipements informatiques. Et est-ce qu'elles sont suffisamment protégées d'ores et déjà ? Alors, suffisamment protégées, je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est que les constructeurs ont intégré cette dimension sécurité, parce que n'oubliez pas qu'un des enjeux de la voiture connectée et de la voiture autonome, c'est d'abord la safety, c'est d'abord d'avoir des routes plus sûres. Donc globalement, dans cette démarche de sécurité, de safety, la sécurité a sa place. Et donc, dans les architectures, il y a déjà eu des démarches. Et d'ailleurs, nous avons, avec PSA, développé une méthode d'analyse des risques permettant d'intégrer ce risque cybersécurité, à la fois en phase amont, dans les chaînes de production, mais également sur l'embarqué. Tout n'est pas parfait, mais il y a une prise en compte de cette dimension. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous faites, vous, chez Thales, pour sécuriser les véhicules connectés? Oui, parce que dans le domaine de la voiture, vous n'êtes pas très connu, quand même. Enfin, on connaît Thales sur plein de choses. Et oui, mais... Il y a plein de questions. Non, mais c'est vrai. Que Thales ne soit pas suffisamment connu, je suis d'accord avec vous. Non, dans le domaine de la voiture. Absolument. Ceci dit, Thales, c'est l'acteur de la transformation numérique. Et donc, la transformation numérique dans le monde de l'automobile, nous y trouvons tout naturellement notre place, notamment sur la sécurité. Qu'est-ce qu'on y fait très concrètement? Eh bien, donc, typiquement, avec PSA, on a conçu une méthode d'analyse de risque pour nous aider à structurer cette sécurité, cette cybersécurité du monde embarqué. Et nous faisons aussi, dans des phases peut-être plus opérationnelles, plus concrètes, des tests d'intrusion auprès de plusieurs constructeurs qui permettent de vérifier vous jouez, une vous bonne les prise en compte de la sécurité sur les équipements embarqués informatiques. Et alors, le résultat ?
Et ben, le résultat, c'est que nous arrivons nous arrivons à produire des dysfonctionnements de la voiture ou dans l'habitacle en général. Et ce qui est très intéressant, c'est cette proximité que nous avons avec les équipes de développement, avec les architectes. Et l'objectif, c'est pas simplement de s'arrêter sur le test qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est comment nous pouvons faire évoluer les architectures et nous les accompagnons justement pour une meilleure sécurité. Quels sont les risques de se voir pirater sa voiture connectée? C'est quoi? C'est qu'on l'ouvre, c'est qu'un hacker puisse l'ouvrir et partir avec. J'ai entendu parler d'explosion sonore aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? D'abord, comprenez bien que la voiture connectée, il faut l'avoir comme un système. Certes, il y a la voiture, il y a des télécoms, il y a de l'informatique. Et l'objectif d'un attaquant, une de ses motivations, ce pourrait être de perturber le conducteur. Et vous pouviez tout à fait imaginer un conducteur sur l'autoroute à 130 km/h. D'un seul coup, sa radio passe à 130 ou 140 décibels. Ça peut provoquer des moments de panique. Vous voyez que la cybersécurité, ça peut être un moyen de provoquer un dysfonctionnement. Mais le dysfonctionnement n'est pas nécessairement informatique. Donc faut vraiment avoir cette approche système. C'est détourner un usage en fait, c'est ça. C'est perturber le fonctionnement informatique ou perturber l'expérience utilisateur dans le cadre de l'usage de la voiture. D'accord. Il faut qu'elle soit connectée en 4G, en 3G ou en 5G bientôt, cette voiture, pour que justement il y ait encore plus de risques potentiels. Alors, je ne sais pas s'il faut. De fait, la voiture est connectée. De fait, votre voiture envoie un certain nombre d'informations sur votre géolocalisation. De fait, la voiture embarque un certain nombre Mais de... Mais pas tous les véhicules. Pas tous les véhicules. Les véhicules aujourd'hui modernes, mais de plus en plus de véhicules ont un certain nombre de connectivités. Et cette connectivité, il faut sécuriser à la fois la donnée qui est dans la voiture et également la communication entre cette voiture et un centre de gestion. Parce que quand on voit par exemple des véhicules comme Tesla, qui eux sont hyper connectés, c'est-à-dire que même la voiture se met à jour toute seule la nuit, c'est incroyable, et rajoute des nouvelles fonctionnalités, là les risques sont, mais bien entendu, sont impressionnants mais quand même. Ce qui est étonnant dans notre culture, où on a quasiment rebooté une voiture, mais il faut bien comprendre que la voiture, finalement, d'une certaine façon, si je vais un peu loin, la voiture peut être vue comme un ordinateur avec quatre roues. Et donc cette problématique de mise à jour d'un firmware ou d'un logiciel, vous l'avez dans d'autres mondes. Simplement que aujourd'hui, forcément, comme on est dans quelque chose qui roule avec d'une certaine façon de l'embarquer et de la vie humaine autour de la voiture, cette problématique de la mise à jour est absolument critique. Mais c'est vrai dans n'importe quel IT. C'est quoi le maillon faible aujourd'hui? Ou alors je vais reposer ma question à l'envers parce que je pense que vous ne voudrez pas répondre à celle-ci. Quel est l'élément qu'il faudrait en priorité et le plus sécurisé? Alors c'est très difficile dans un monde, dans un système, de répondre sur un élément. Le propre, c'est que tout se tient. Je pense... La meilleure pratique, c'est vraiment d'appliquer une méthodologie d'analyse des risques à la fois dans les chaînes de production, dans la voiture et également dans l'écosystème de sous-traitants. Tout ça, c'est un tout. Mmh. Et donc, faire de la sécurité simplement, par exemple, sur la voiture en tant que telle, mais pas sécuriser la partie d'un sous-traitant, ça serait une erreur. Mmh. Autrement dit, c'est pas simple. Ça n'est pas simple, mais je tiens à dire... Parce qu'il faut faire attention sur ces sujets au-delà de la voiture connectée. Ouais. La cybersécurité, ce n'est pas un mur infranchissable. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression... Notre objectif, ce n'est pas de faire peur. C'est de dire, prenez en compte ce risque, traitez-le. Il existe des outils, il existe des solutions, il existe des compétences. La sécurité, ça s'use que si on ne l'utilise pas. Très bien. Dagobert, on pourrait retrouver demain BlackBerry dans les voitures aussi? Alors, on ne pourrait pas retrouver demain, on retrouve déjà aujourd'hui. Ah bon, BlackBerry... Je vous ai vu au CES. Absolument. Une voiture BlackBerry. Voilà, absolument. Donc, c'était BlackBerry a acquis une solution qui s'appelle QNX, qui est aujourd'hui présente dans plus de 16 millions de véhicules à travers le monde, qui est une plateforme d'infotainment et de gestion de véhicules. Voilà, absolument. C'est de beaucoup de véhicules. Qui va sécuriser, et BlackBerry investit massivement sur ce sujet. On a d'ailleurs au CES, dans les annonces qui ont eu lieu au CES, on a annoncé la création d'un centre de recherche à Ottawa spécialisé sur la voiture connectée, la voiture intelligente. Donc dans l'extension, entre guillemets, de ce dont on discutait juste avant, la voiture connectée peut être considérée comme un objet connecté qui sera à terme juste une extension du bureau, de qui la pourra maison, être une, voilà, de la maison. Ouais. Donc d'où l'importance de sécuriser ces sujets. Et aujourd'hui, BlackBerry veut être un acteur majeur sur ces sujets. Parfait, merci messieurs, beaucoup. Parfait, vous avez du pain sur la planche. Merci beaucoup. Merci messieurs. Et alors vous restez là parce qu'on va tout de suite enchaîner avec Delphine. Delphine et Corben sur The Ronet TV. A tout de suite. Avec le hashtag 01 Live, nous sommes en direct. Vous pouvez réagir sur Twitter. Hashtag 01 Live, posez vos questions.
réagir au sujet qu'on vient d'évoquer sur la voiture connectée, le retour de BlackBerry, etc. N'hésitez pas. François, oui, depuis Jérôme. Combien de temps es-tu sur Internet ? Oula, quelques années. Ouais. Je sais plus. 100, 250 ans à peu près. Donc forcément, tu connais Corben et mais le site sûr, de Corben. Mais évidemment. Il est là. Il est là, il est avec nous. C'est l'un des blogueurs français les plus célèbres, on peut le dire comme ça. Salut Corben, merci Bonjour. D'être là. Merci. Et surtout pour ceux qui mettent les mains dans le cambouis hein, et qui ont besoin d'informations de premier ordre en matière de technologie. Il est là, Corben, et on va lui donner la parole dans un instant. Et Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net. Bonsoir, bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Delphine. Corben, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Enchanté. Et voilà, et Delphine donc qui a évidemment visité ce salon. Avec plein de choses intéressantes, mais notamment tu as testé un truc incroyable, tu t'es entraînée en cyberdéfense. Oui, en fait ce matin je me suis précipitée dans un camp d'entraînement en cyberdéfense. Vous voyez les cours de cyberdéfense. Je savais que Delphine aimait les camps comme ça un peu. Mais du kung-fu et de savoir se défendre dans la rue, là c'est un peu la même chose, façon cyber. Delphine kung-fu. C'est un concept assez unique. C'est le premier concept en Europe qui ressemble à ça. C'est vraiment physique, c'est vraiment concret. Alors, je vous explique, il y a quatre composants en fait, qui font ce centre d'entraînement. Il y a un premier composant, c'est une valise dans laquelle on a simulé tout mon environnement. Donc mon environnement informatique, bien évidemment, les outils avec lesquels je travaille, mon métier, tout ça est simulé dans une valise SCADA. Et puis un deuxième composant, c'est la Blue Team. Alors la Blue Team, c'est des gens qui sont habillés en bleu, dont moi par exemple, puisque je dois faire attention. J'espère qu'on a des images. On a des images de Delphine habillée en bleu. Mais malheureusement, je n'étais pas habillée en bleu, j'ai pas eu le temps. Oh non. Zut. Delphine en Schtroumpf, j'aurais bien voulu voilà, voir ça. Donc moi je faisais partie de la Blue Team. Mon job, c'était de faire attention à ce que mon environnement soit safe et pas piraté. Ensuite, il y a une troisième composante, c'était les méchants. Donc là, c'est la Red Team. Eux, je dis les méchants en même temps, ils étaient plutôt sympas. Hein. C'est des hackers professionnels qui sont là pour simuler une attaque. Donc, ils sont là pour nous entraîner, pour voir comment on va se débrouiller face à un problème informatique. Et la quatrième composante, eh ben, c'est des serveurs, c'est un champ de bataille. Alors là, c'est les attaques. Tout le monde est sans pitié et à chacun de se débrouiller. C'est vraiment un concept unique en Europe parce que c'est... par des professionnels, des hackers éthiques. Alors on en parlera, enfin vous en parlerez avec Corben tout on à va l'heure. Expliquer ça veut que dire c'est, que c'est des gens qui sont salariés, qui sont employés, qui sont là pour tester les infrastructures et donner des bonnes pratiques. Et alors est-ce aux que est-ce que tu as appris des choses Oui. Est-ce que tu fallait faire Est-ce que tu es ressorti de ce stage grandi Oui, absolument. Non, en fait, il faut quand même. C'est très sérieux. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, il y a une formation individuelle. Ensuite, il y a un entraînement individuel et un entraînement collectif. Moi, je suis passée à la phase entraînement collectif en 5 minutes. Directement en grand. Autant vous dire que je. Allez, n'ai le pas front, c'est les par là. Armes. Allez-y, soldat Sabatier, démerdez-vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc quand je vous dis que c'est un environnement très réel, c'est-à-dire qu'on est avec les mêmes outils. Alors ce que j'ai vu, c'est que par exemple, ils travaillent dans le domaine industriel, ils sont capables de reproduire les automates qui vont gérer le traitement de l'eau. Et ils sont capables de simuler une attaque qui va augmenter par exemple le taux de chlore dans le filtrage de l'eau. Mmh. Alors comment on réagit? À partir de quand on s'en aperçoit? C'est le genre de cas qui a été étudié. Il y a eu un cours de formation aussi sur du médical. Et là, malheureusement, les gens s'en sont très mal sortis. Il y a eu un mort. Alors un mort, heureusement, virtuel. Mais on a simulé une attaque au taux d'insuline sur un diabétique qui était en soins. Et donc, il ne s'en est pas sorti. Voilà. C'est juste pour montrer que c'est des gestions de crise très importantes. Il y a aussi la DGA, la Direction Générale de l'Armement Française, qui utilise Blue Cyforce pour s'entraîner, pour entraîner ses équipes à réagir en cas d'attaque d'un niveau de national, voilà, d'un niveau critique très important. Donc pour l'instant, il y a un camp physique à Vannes et il y en a un autre, donc là c'est annoncé au FIC aujourd'hui, et globalement, qui va ouvrir Tour Montparnasse à Paris, donc on pourra, 01net TV, tous ensemble, aller s'entraîner. Je sens qu'elle va nous envoyer là-bas de force, oui. Tu sais. Bon. Faut vous muscler globalement, un peu, on va vite s'éclipser. Ouais. Ce sont les hackers qui gagnent ou sont les attaquants ou les défenseurs qui gagnent? Alors les hackers professionnels, qui est donc la Red Team, ils sont quand même assez sympas parce qu'ils y vont progressivement. L'objectif, c'est pas de noyer la Blue Team tout de suite et de pas les laisser s'en sortir. D'accord. Donc c'est tout à fait côté progressif, pédagogique. C'est pédagogique et l'objectif, c'est qu'ils gagnent à la fin. Mmh. Très bien. Très bien. Bon, bien merci Delphine. Ça promet, hein. À suivre. Ce camp d'entraînement, Jérôme, ça donne presque envie d'y aller. Hein, ouais. Bon, alors lui... Moi, j'irai chez les méchants.
Lui, c'est un entraîné du web qu'on reçoit ce soir. C'est un entraîné du web. Depuis pas mal d'années. Il est en plus de la région, hein? Oui, je suis né dans le Nord. Bien, ouais. Ah, voilà. C'est... Et c'est Corben qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Bah, merci de me recevoir. C'est sympa. Alors ce FIC, FIC 2017. C'est ton combienième de FIC? C'est le deuxième. Le deuxième. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Et quand tu vois tout ce que tu as pu voir depuis ce matin, parce que ça a ouvert ce matin, est-ce que, comme notre invité précédent, tu es plutôt optimiste ou au contraire très inquiet face à la cybermenace? Alors cette année, c'est particulier parce que comme j'ai un stand, j'ai pas trop bougé en fait. Mais par rapport à la cybermenace, non, bah, enfin, ça évolue, ça change, donc il y a toujours du boulot, quoi. C'est pas réglé, quoi. Ouais, c'est pas réglé. Tu dis que t'as un stand, mais qu'est-ce que tu fais sur ce stand? Des gaufres. Il fait des gaufres. Il fait des gaufres. Oui. On en a mangé, elles sont super bonnes. Et gaufres, c'est pour ça qu'on l'a invité gaufres ce soir. Voilà, c'est ça, gaufres belges et bière à volonté. Non, on fait. J'ai cofondé en fait une société avec Guillaume Vassolière, qui est président de la Nuit du Hack, donc en 2013, qui s'appelle Yes We Hack. C'est un job board pour les métiers de la sécurité. Et là, l'année dernière, au FIC 2016, on a lancé Bounty Factory, qui est une plateforme qui permet de faire du bug bounty, donc qui permet aux entreprises de définir, on va dire, un périmètre pour que les gens, les chercheurs en sécurité, puissent remonter des failles et toucher des récompenses avec les failles remontées. Mmh. Corben, à l'instant, Delphine en parlait, et elle parlait des hackers gentils. Donc, alors, tous ceux qui sont ici connaissent cette histoire de white hat, black hat. Bien sûr. Pour les newbies qui nous regardent, c'est quoi un hacker gentil et un hacker méchant? Un hacker gentil, c'est un professionnel qui va juste utiliser ses compétences pour faire le bien, donc dans un cadre professionnel ou pour aider les sociétés, etc. Et un hacker méchant, lui, il va faire la même chose, plus ou moins, sauf qu'il va aller vendre les failles au plus offrant pour nuire en fait à la société. Mmh. Voilà. Il y a beaucoup plus d'hackers gentils ou d'hackers méchants? Je pense qu'il y a beaucoup plus de gentils. Ah, c'est vrai, c'est positif alors. Oui, il y a plein de pros, enfin, on le voit là autour de nous, il y a plein de professionnels. Et la frontière est toujours très, très claire? Oui. Bah, après la frontière, c'est... Oui. Non, mais enfin, forcément, on peut pas savoir. Je pense que les gens qui font ça restent discrets. Tu as vu la série Mister Robot? Oui, mais je suis encore... C'est un gentil ou un méchant, lui? Ah, lui, je pense que c'est plutôt un méchant. Ouais. Au départ, il n'était pas méchant, mais un méchant qui nous veut du bien. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis la frontière n'est pas forcément très claire. C'est vrai. Mais bon, là, nous, on touche pas à ça. On a pas mal de questions très concrètes, François, sur Twitter. Alors, il y a par exemple Quetes qui nous dit: si j'achète un device connecté, on parlait des objets connectés tout à l'heure, j'attends quand même de la part du vendeur des solutions et je veux qu'il soit d'ores et déjà sécurisé. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que je cours des risques aujourd'hui en installant une caméra connectée, une prise de courant, une prise électrique connectée, etc.? Alors aujourd'hui, clairement, sur les objets connectés, c'est la jungle. Il y en a qui sécurisent, il y en a qui ne sécurisent pas du tout, mais sur le ratio, il y a plus d'objets connectés qui ne sont pas sécurisés ou mal sécurisés. Donc il y a beaucoup de travail, vu qu'en fait tout le monde, enfin toutes les sociétés se mettent à ça, c'est nouveau en fait, c'est un peu le Far West de l'objet connecté. Ouais. Donc faut que le temps que le marché se stabilise, que les acteurs prennent conscience des risques, qu'il y ait aussi peut-être quelques boîtes, affaires retentissantes. Voilà, c'est ça, qu'il y ait quelques bad buzz et que ça se passe mal pour certains, pour faire prendre conscience aux boîtes qu'il faut y aller aussi là-dessus. Delphine? Moi, j'avais une question sur le cadre légal dans lequel vous travaillez. Parce que le bug bounty, ça veut dire que là, on n'est pas dans un environnement virtualisé. Vous attaquez vraiment l'entreprise. C'est ça. Bah, par exemple, on a comme client OVH, qui est le premier hébergeur, je pense, en Europe, qui a son bug bounty chez nous. Et donc, en fait, c'est très simple. OVH a signé un contrat, défini un périmètre. Donc, le périmètre, c'est tout simplement les règles du jeu. En fait, c'est comme un jeu de société. On définit les règles. Il faut que le chercheur en sécurité, le chasseur, les respecte. Et puis, nous, de notre côté, on a aussi un contrat avec le chasseur. Voilà, tout ça, c'est virtualisé, enfin, c'est sur la plateforme. Et puis après, ça se fait dans le bon esprit, parce que d'un côté, il y a la société qui va jouer le jeu parce qu'elle veut des remontées de failles pour pouvoir corriger, être proactive et corriger au plus vite. Et de l'autre côté, il y a le hunter, le chasseur, qui veut remonter des failles de qualité parce que, un, il veut toucher des belles primes, donc c'est dans son intérêt de faire du bon travail et d'être sérieux. Et de deux, il veut aussi des points pour monter dans le classement, parce qu'il y a aussi un petit côté égo avec un classement, un côté jeu. Et en plus, ces points vont lui permettre aussi de valoriser son CV, parce qu'on a une partie job board, comme je disais au début. Donc tout ça, c'est lié, et on peut estimer le côté opérationnel de quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait sur la plateforme de Bug Bounty. Légalement, ça a une valeur, ce contrat, ou c'est vraiment juste vous assurer que l'entreprise ne va pas porter plainte?
légalement, parce qu'en France, on a déjà une législation qui autorise le bug bounty. Bah, tant qu'il reste dans les clous sur le programme de bug bounty, il n'y a pas de risque. Parce qu'en fait, l'entreprise ne va pas porter plainte contre quelqu'un qui a respecté son programme de bug bounty. Parce que de toute façon, ça ne tiendrait pas. C'est un contrat de confiance. Voilà, c'est ça. C'est bonne entente. Et voilà. Ok. Corben, on a une question un petit peu sur le business de ce métier-là, la question de Tanguy. Peut-on dire que les métiers liés à la cybersécurité sont des métiers d'avenir ? Oui, je pense clairement. Avec tout ce qui se passe, surtout en ce moment, avec les pays qui se referment un peu sur eux-mêmes et les attaques qui viennent de Russie, des États-Unis, enfin de partout, c'est de plus en plus gros. Enfin, on le voit, c'est un marché qui est de plus en plus énorme. Et même au niveau de l'Europe, il y a des budgets de plus en plus conséquents qui sont débloqués. Il y a des écoles pour ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a, il y a des écoles, mais après, je ne pourrais pas détailler les formations ni les noms des écoles. Mais oui, je pense qu'il y a, il y a ce qu'il faut. Ouais. Question très intéressante de Lynn Pally qui nous pose cette question. Il met les pieds dans le plat, mais il a raison parce que ça revient régulièrement. Est-ce que la sécurité, ça passe pas d'abord par du logiciel libre ? Alors on sait que la gendarmerie a opté pour du logiciel libre, notamment pour des questions de sécurité, de souveraineté, etc. Est-ce que c'est vraiment un passage obligé ? Après, c'est comme tout. Enfin, le problème, c'est quand tu développes un site pour faire un service, je sais pas, par exemple, je prends la société Uber ou le manager par exemple, d'OVH pour gérer ses sites web, c'est pas un truc qu'on va trouver en logiciel libre. Donc le logiciel libre, oui, ça passe aussi par la sécurité. Enfin, c'est un bon apport au niveau sécurité, mais ça ne couvre pas tout. Donc il y a quand même un intérêt aussi à sécuriser des sites web qui sont pas basés sur des plateformes libres ou même des objets connectés qui n'utilisent pas des choses libres. Et même si c'est libre, ça peut ne pas être forcément bien implémenté. Il peut y avoir un mot de passe par défaut qui traîne, il peut y avoir des anciennes versions avec des failles existantes. Oui, c'est pas une garantie à 100%. Non, c'est pas une garantie à 100%. Il faut vraiment la dernière version et puis il faut mettre à jour souvent. Donc, Mais dans un cadre business, dans un cadre de société qui travaille là-dessus, c'est rarement du libre. Dernière question, c'est vrai qu'on vit dans un web qui est de plus en plus, enfin dans une société qui est de plus en plus dépendante du web, du numérique. On voit que de temps en temps, on a des petites catastrophes avec des pans du web entier qui sont paralysés par des attaques, des DOS ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer demain un web qui s'arrête complètement de fonctionner par des attaques bien précises, coordonnées Le big one de terroristes du web. Le big one du web. Ça pourrait, techniquement, c'est faisable, ça ou pas ? C'est toujours pareil. Il y a déjà eu des petits tests là dernièrement. Et on voit qu'il y a des choses qui se passent, effectivement. Et d'ailleurs, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces tests ? Est-ce que c'est des petits tests comme ça avant d'en avoir un plus gros ? Moi, c'est ce que je pense. Mais c'est ce que tu penses. Toi, à ton avis, on risque d'avoir un truc Je pense que c'est des tests pour valider des choses qui sont mis en place peut-être par les États pour pouvoir réagir en cas de guerre ou en cas de problème. Donc ce sont les États, à ton avis, qui font ça ? Oui, je pense, parce que c'est des choses qui sont d'une telle ampleur et qui n'ont pas forcément de sens, en fait, en tout cas sur ces dernières attaques. Non, je pense qu'en fait, le problème, il vient surtout de la centralisation. Si tout le monde met ses données chez Google et Amazon, si tout est hébergé chez Google et Amazon, il suffit de bloquer Google et Amazon et il n'y a plus rien sur Internet. Mais après, une fois qu'on a... si c'est sur des points divers, si c'est sur hébergé à des endroits différents, si ça passe par des routes différentes... paralyser tout Internet, ça me semble compliqué. Bon, très bien, c'est un peu rassurant. Ouais, oui, si on veut. Voilà, le pire reste à venir. Merci Corben. Pas de rien. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Dans ce studio, ici, au FIC, au Grand Palais, à Lille. Merci Delphine. Merci. Et puis rappelons qu'on est encore là, Delphine, demain. On se retrouve demain. Voilà, avec pas mal d'interventions aussi liées à la cybercriminalité et puis cybersécurité. Des invités qu'on recevra demain, à partir de midi, Jérôme, eh bien, écoute, on va se dire au revoir. Je vous souhaite une très bonne deuxième journée au FIC. On va essayer. On se retrouve en tous les cas jeudi soir pour Zéro en Live, bien sûr, tous les jeudis. Merci à Jean-David Duarte, Pierre Thiolin, Thomas Remiret qui sont ici avec nous et qui font tourner tous ces lives. Et Noémie Lefebvre, juste là à côté aussi. Exactement. Merci, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve jeudi soir sur Zéro en Live 2. Salut à tous.